chers frères, bonjour chères sœurs, bienvenue dans la présence de notre Dieu, bienvenue dans l'Assemblée des Saints, bienvenue en cette réunion où ensemble nous voulons rendre un culte à notre Dieu. Est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît de vous lever, si vous le voulez bien? J'aurais voulu que l'on projette un verset, l'ordinateur nous joue un tour. Nous allons faire 100. Est-ce que je peux vous demander de prendre dans vos Bibles Deutéronome 7, le verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Et nous allons lire ensemble. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Notre Dieu nous rappelle par ce passage que l'Éternel, ton Dieu, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Amen. Et ce passage nous le présente comme un Dieu fidèle de génération en génération, fidèle envers son alliance, mais également sa miséricorde. Si nous sommes présents en ce jour et en ces lieux, c'est bien le témoignage de la fidélité de notre Dieu, de cette miséricorde qu'il a renouvelée pour chacun d'entre nous, chaque matin. La fidélité de Dieu qui a gardé nos âmes, la fidélité de Dieu qui a veillé sur nos âmes et sur nos vies, et qui permet qu'une fois encore, nous puissions nous rencontrer, que nous puissions encore communier ensemble. Lorsque vous lirez chez vous ce Deutéronome 7, vous verrez plus haut que le Seigneur dit à son peuple, puisqu'il parlait au peuple d'Israël qu'il avait sorti de l'Égypte, il lui dit, ce n'est pas parce que tu es le plus grand de tous les peuples. Et il lui explique, au contraire, non, ce n'est pas parce que tu étais le plus vaillant, le plus grand, mais parce que je t'aime. Amen. J'aimerais nous rappeler ceci, et cela encore en ce jour. L'Éternel, ton Dieu, est Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est fidèle. Pas parce que tu es exceptionnel, pas parce que tu es plus grand que les autres, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous aime. Et à cause de son amour, il garde son alliance. À cause de sa fidélité, il garde cette miséricorde en notre égard. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas ensemble élever nos voix, bénir le Seigneur, rendre grâce au Seigneur à cause de cette fidélité qui est la sienne? Oui, c'est ta fidélité, Seigneur, qui fait que nous puissions être encore présents en ce jour dans ta maison. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas plus extraordinaires. Nous ne méritons pas, Seigneur, mon Dieu, ton amour. Mais voilà, tu nous aimes, Seigneur, tu nous aimes. Et tu nous as choisis. Tu t'es acquis un peuple, Seigneur. Tu t'es acquis un peuple éternel sur lequel tu règnes, sur lequel tu domines. Tu as fait de nous ce peuple, ces enfants qui venons encore en ce jour pour te rendre ce qui te tue, pour te rendre encore ce qui te revient, Seigneur. Oh, l'Éternel, notre Dieu, tu es Dieu. Éternel, notre Dieu, tu es Dieu. Et nous voulons bénir ta fidélité. Nous voulons bénir ton immense amour. Seigneur, nous voulons te bénir pour ton immense amour, pour ta grande fidélité. Toi qui gardes ton alliance et ta miséricorde jusqu'à la millième génération. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que notre âme est venue glorifier, célébrer. Oui, tu m'as aimé, Seigneur. Et tu m'aimes encore, Seigneur. Oui, tu nous as aimés et tu nous aimes encore. Oui, tu nous aimes encore, Seigneur. Oui, tu nous aimes encore. Oh, Seigneur, qui peut expliquer ton amour? Qui peut comprendre cet amour que tu as pour nous, Seigneur? Mais voilà, tu nous aimes. Voilà, tu nous aimes. Et aujourd'hui encore, nous voulons t'offrir, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs, la reconnaissance, Seigneur, de nos âmes, et te célébrer par nos chants, te célébrer par nos louanges. Seigneur, te glorifier pour ce que tu es, pour te glorifier pour ce que tu es. Tu es Dieu, le seul, l'unique et le véritable. Seigneur, nous chantons ta fidélité, car elle est grande et incomparable, Seigneur, dans nos vies. Oh, grande, grande, grande est ta fidélité, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Oh Dieu, merci, Seigneur. Alléluia. Et grandeur.
Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne, agneau
Nous le déclarons.
déclarons, Jésus, tu es puissant. Chante, Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent. Tu déplaces tes montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent, tu brises toute chair, tu brises toute chair. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh tu es présent. Tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent. Tu brises toute chair, tu brises toute chair. Jésus, Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent, tu es présent. Tu agis en ton tu temps, tu agis en ton temps. Jésus, Jésus, tu es puissant. Tu brises toutes chaînes, tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Ensemble, disons-lui, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces toutes les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Le vent doux s'élève et dans le vide, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Disons-lui encore, Jésus, de tout notre cœur, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces toutes les montagnes.
Seigneur. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Élevons nos voix et disons encore, oui, c'est par ta grâce que nous triomphons. Oui, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous avons la victoire. Oui, c'est par ta grâce que nous marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Éternel, aucune montagne, aucune forteresse ne tient devant toi. Quand tu te lèves pour nous, Seigneur, quand tu marches avec nous, Seigneur, quand tu es présent, Seigneur, au milieu de ton armée, rien ne te résiste, Seigneur. Rien ne te résiste. Tu as triomphé de la mort. Et par ton sacrifice, aujourd'hui, nous sommes plus que victorieux. À cause de cette victoire qui est la tienne, éternelle, et que tu as fait nôtre, par ta vie en nous, Seigneur, à cause de ta vie en nous, nous sommes plus que victorieux. Nous marchons dans ta victoire. Nous marchons, Seigneur, dans ton triomphe et nous marchons dans ta gloire. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh, gloire à toi. Gloire à toi qui nous donne la victoire. Gloire à toi, Seigneur, qui renverse nos forteresses. Gloire à toi qui renverse les montagnes, éternel qui se dresse au milieu de nous. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Toi qui as fait les cieux et la terre, le secours nous vient de toi. Le secours nous vient de toi. La réponse nous vient d'en haut. Oui, tu effaces, Seigneur mon Dieu. Tu abats nos forteresses, tu effaces, Seigneur, devant nous. Toute montagne éternelle se retrouve aplanie par ton pouvoir et par ta puissance. Éternel, nous n'avons pas besoin de savoir ni comment, ni par quel moyen, mais nous savons, Seigneur, que tu triomphes pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu nous accordes la victoire. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh, que la gloire te soit rendue, toi le Tout-Puissant, l'Incomparable, l'Omnipotent, tu es incomparable, Seigneur, tu es incomparable, Seigneur, oh, tu es incomparable, Seigneur, alléluia, nous triomphons dans le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Et encore, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Acclamons le Seigneur, notre Dieu, alléluia. Oh, tu es grand, tu as triomphé de la mort, tu as triomphé du péché, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette victoire que nous avons obtenue par ta grâce. Amen. Quelle joie immense d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Quand on y est, on a envie d'y rester encore et encore. Amen. Je vais inviter la sœur Noémie, qui est une de notre sœur, qui sert le Seigneur par le chant. Elle va nous conduire également dans un chant.
pour nous rappeler que notre Dieu est Dieu. Et nous allons nous laisser conduire par ce chant et demeurer par ce chant dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Moi aussi, ça va très bien. Alors, je suis vraiment très contente d'être ici parmi vous. Merci en tout cas pour l'invitation, ça me fait plaisir. Pour la petite histoire, ben, ça me fait un peu bizarre d'être ici parce que c'est ici en fait que je suis née. Donc, je viens de l'église à Nouvelle-Jérusalem, de Bruxelles. Et comme vous le savez, je pense, ici, c'était notre bâtiment. Donc, ça fait revenir un peu plein d'émotions. Ouais. Alors, je m'appelle Noémie Cabé, comme on vous l'a dit. Je viens de l'église à Nouvelle-Jérusalem, de Bruxelles. Je suis venue accompagnée de mon mari, qui, je ne sais pas où il est, avec Sœur Gracia, qui vient aussi de l'église. Et donc, aujourd'hui, je viens vous présenter mon album que j'ai sorti il y a de cela 6 mois. Je pense, le 6 mars 2020. Il s'intitule « Je me rappelle ». Alors, la première chanson que je vais vous interpréter s'appelle « Dieu, tu es ». Alors, c'est une chanson où je dis simplement à Dieu à quel point il est grand, il est merveilleux, et je lui témoigne vraiment ma gratitude. Donc, « Dieu, tu es ». Chaque jour, à chaque instant, à tout moment, tu m'enveloppes de ton amour. Cet ami fidèle que j'ai trouvé en toi, qui a essuyé mes larmes et pas qu'une fois. Non, 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 tu sais, quand je pense, mais quand je pense que je ne le mérite pas, déjà je me sens étonné de cette sensation. Restauré, je suis vidé de mes tourments. Dieu, tu es puissant et victorieux. Dieu, tu es bienveillant et compatissant. Dieu, tu es un père, mon père. Tu es. Ton amour, ta dévotion font jaillir en moi des cris de joie. Incomparable, immérité, tes bienfaits sont inestimables. Ce don gratuit que j'ai trouvé en toi, je veux le garder tel un trésor au plus profond de moi. Tu sais, quand je pense, oui, quand je pense que je ne mérite pas, légère, je me sens étonné de cette sensation. Restauré, je suis vidé de mes tourments. Oh, Dieu, tu es puissant et victorieux. Dieu, tu es bienveillant et compatissant. Dieu, tu es un père, mon père. Tu es, oui, tu es. Dieu, tu es puissant et victorieux. Dieu, tu es bienveillant et compatissant. Un père, mon père, tu es. Amen. Amen. Dieu, tu es puissant et victorieux. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère sœur. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons l'occasion de l'écouter encore après la parole. Est-ce que nous pouvons ensemble préparer nos cœurs et disposer nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur? Nous voulons le faire par ce chant qui dit combien notre Dieu est grand. Pendant que nous disposons nos cœurs, nous laisserons également place à l'ancien Dika pour ce temps de parole. Élevons nos voix ensemble d'abord et prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons parce que tu nous rappelles encore comment tu es bon pour nous, comment tu es grand. Par ce merveilleux chant que notre sœur nous a interprété, Seigneur, tu nous rappelles encore une fois de plus ta fidélité. Seigneur, démontre-la encore au travers de ta parole en ce jour. Viens, Seigneur, toucher le besoin de notre âme. Viens, Seigneur, rencontrer le besoin de notre âme. Viens rencontrer le besoin, Seigneur, de nos cœurs. Viens nous transformer, viens nous libérer, viens nous rendre riches, forts
Seigneur, mon Dieu, viens nous faire grandir au travers de ta parole que nous bénissons. Bénissons également cet instrument que tu t'es choisi, Seigneur, pour apporter cette parole éternelle qui soit loin de force, loin de puissance, et qui l'annonce, Seigneur, mon Dieu, avec assurance éternelle, comme toute cette parole venant de toi. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es précieux, combien tu es incomparable. Te bénissons. Je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais. Ta ta taille, mon aîné. Montre ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on vit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais. Ta ta taille, mon aîné. Glory, glory, que le Seigneur soit loué. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est puissant. Nous remercions encore le Seigneur pour cette opportunité qui nous a donné de nous réunir encore ce matin.
Juste pour les gens qui sont habitués avec leur voiture, aujourd'hui, journée sans voiture, félicitations parce que vous êtes quand même arrivés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni parce que je vous vois tous en bonne santé. La parole de ce matin va se dérouler un peu autour de questions que moi je me suis posées, que je pense que la plupart de gens se posent, la plupart des croyants. Quand nous faisons les affaires, dans notre marche de tous les jours, au travail, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que tout semble s'arrêter, dès qu'il y a un échec, il y a des mots magiques qui sortent alors que nous sommes des croyants. Si ce n'est pas Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, parfois même on ose dire Dieu m'a maudit. C'est pour ça le message de ce matin, je vais faire un peu un rappel et nous allons parler d'une histoire dans la Bible. Ce qui m'a fait rire, c'est que le jeudi passé, quand je suis arrivé, je trouvais le pasteur Bobo en train de parler de la même chose. Je me suis dit, ça, si ce n'est pas la confirmation du Seigneur, alors il y a autre chose. Le message de ce matin s'intitule simplement, c'est tout le monde connaît ça. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Parfois, je me dis, ouais, je suis juste. J'ai un problème. Dès que l'ultimatum commence à se présenter et que je ne vois pas de réponse, la foi commence à diminuer aussi. Là, je deviens le juste, vivra par la vue. La parole de Dieu nous rappelle simplement dans Jean 3, 16, le verset que nous tous connaissons lors de notre conversion. Je pense qu'on nous a fait retenir ces versets, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru en l'œuvre de la croix. Une œuvre complète, totale. Il n'y en aura pas deux. C'est une fois pour toutes. Nous sommes passés par les eaux du baptême pour notre identification à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et puis la parole nous dit que le Christ a payé, il a tout payé. Son sang a coulé pour nos péchés. La Bible précise bien nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester, il est déjà mort et c'est fini. Non! C'est que quand il arrive quelque chose, et ça arrive souvent, d'autres rarement, d'autres plus souvent, que nous tombions, nous devons aller vers le Seigneur. Nous confesser. Nous devons aller à la repentance. Nous oublions complètement que Jésus à la croix, il s'est fait malédiction pour que nous nous soyons bénédiction. Mais dès que ça ne va pas, on dit non, je suis maudit, ce n'est pas possible. Ma famille est maudite, ce n'est pas possible. Pourquoi personne ne se marie? Qui t'a dit que tu es maudit? Qui vous a dit que votre famille a été délaissée?
abandonner. Qui? Parfois, j'ose même pas m'imaginer. J'ai dit, on dit délaisser. Est-ce que si le Seigneur nous laissait au moins une seconde, je ne sais pas comment ça va se passer. Il est mort à la croix. Le troisième jour, Dieu Tout-Puissant a déployé sa puissance. Et le Seigneur Jésus est ressuscité pour notre justification. Il nous a donné ses dons, ses cadeaux, la justice. Nous sommes devenus justice des dieux en Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que la vie sur cette terre, elle est tellement compliquée. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement d'embûches. Mais ce matin, je voudrais simplement insister pour nous montrer que nous sommes la justice des dieux en Christ. Nous recevons ces dons de justice. Et la justification, ce n'est pas quelque chose c'est une fois fait. Non, c'est quelque chose de continuel. Parce qu'il peut y arriver que nous tombions, comme j'ai dit. Mais si nous allons vers notre Dieu, qui a un amour illimité pour nous, qui a un amour incomparable, il nous pardonne. Il nous aime. Mais parfois, je ne comprends pas, je dis, car, mais pourquoi quand ça s'arrête? Pourquoi quand ça ne va pas? Pourquoi quand tu veux faire quelque chose, c'est fini? Je commence à pleurer comme si quelqu'un qui n'était pas juste, qui n'était pas juste en Christ. Là, toutes ces notions partent. Il faut des temps un peu plus loin pour que je me rappelle encore. Hein? Ce matin, je voudrais insister sur ça. Quand la Bible parle de juste, c'est de nous que la Bible parle. Je ne sais pas si on s'est projeté, parce qu'il y a eu des problèmes techniques. 2 Corinthiens 5, 21. Ou bien si on ne sait pas, on peut ouvrir nos Bibles. 2 Corinthiens 5, 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? 2 Corinthiens 5, 21. Nous lisons. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas devenu péché en commettant le péché. Nous ne sommes pas devenus justes parce que nous faisions des choses justes. C'est un cadeau. C'est un don que nous avons reçu des dieux. Jésus a porté nos péchés et nous portons sa justice. C'est un cadeau. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a considéré Jésus coupable de tous les péchés des croyants. Et il nous considère juste en Christ. C'est ça que la Bible appelle le principe de l'imputation. Dieu ne nous voit plus en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devant. Dieu, quand il te regarde, il voit Christ. Toi, tu es justice en Christ. Il voit Christ et il voit tout ce que Christ a obéi. L'obéissance de Christ jusqu'à la croix, c'était, comme dirait le pasteur Patrick, wonderful. Je ne sais pas quel mot utiliser. L'obéissance jusqu'à l'extrême.
et tout a été payé. Quand on dit l'assemblée des saints, c'est nous. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Mais j'aimerais amener, juste quand vous tournez vos Bibles, dans le livre qui suit de Corinthiens, dans Galates, Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. Nous lisons. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Comme vous le savez bien, la Bible nous dit que la loi a été donnée à Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ces versets nous disent simplement, vous qui cherchez à être justifiés par la loi, c'est-à-dire que vous vous considérez juste parce que vous avez fait des choses justes. Or, quand la Bible parle de la justice, quand la Bible parle du juste, il parle des gens qui ont cru. Si on cherche à expliquer la justification, à expliquer qu'on est juste par nos propres efforts, là, comme l'apôtre Paul l'explique bien dans ses versets, c'est rejeter le salut. On rejette le salut. Or, le salut, il n'y a qu'une ligne. Le salut ne s'obtient que par grâce seule, au moyen de la foi seule. Comment peut-on faire pour aller vers le Seigneur? Il y a le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Je vais ouvrir vite une parenthèse et puis la fermer directement. Je ne veux même pas rentrer dans la discussion, oui, on perd le salut ou pas. Non. Je ferme directement cette parenthèse, mais je dis simplement, pour avoir le salut, c'est par la grâce. Seul, c'est la grâce de Dieu. Mais au moyen de la foi, seul aussi. Si vous dites que vous êtes juste parce que vous, là vous êtes contrairement, vous êtes carrément à côté. Ce matin, je voudrais, c'est pour ça que j'ai bien précisé, je parlais aux justes en Christ. Des gens qui pensent que s'ils deviennent ce qu'ils sont, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce au fait qu'ils marchent avec Christ. Cela étant dit, nous allons revenir dans notre texte principal. Comme je vous ai dit, si les gens nous ont suivis le jeudi passé, c'est le texte et l'histoire que nous tous nous connaissons bien, l'histoire de Joseph. C'est dans Joseph 39. Nous allons lire d'abord les 10 premiers versets. Pardon, Genèse. Qu'est-ce que j'ai dit, Joseph? Genèse 39. C'est quoi le contexte? Comme vous le savez, je ne veux pas recommencer toute l'histoire. Joseph, ses frères étaient jaloux de lui. Quand son père l'a envoyé pour aller le voir, comment ils étaient, ses frères ont commencé d'abord par le jeter dans un puits asséché. Ils voulaient les tuer, puis par après ils disent non, ne tuez pas, c'est quand même notre frère. Vendons-le. Ils le vendent à une caravane des Madianites qui passait par là, qui s'est dirigée vers l'Égypte.
parce qu'ils étaient jaloux. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa tunique, son habit, ils ont tué un bouc, ils ont mis du sang et ils sont partis présenter à leur père. Pour dire, regardez ce qu'on a trouvé. N'est-ce pas l'habit de Joseph? Le père rentre en deuil. Il s'est dit, sûrement, les bêtes sauvages sont passées par là. Mon fils est mort. J'ouvre encore une parenthèse. La différence entre la vérité et la réalité. Il a vu la tunique de Joseph avec du sang. C'est réel, c'est la réalité. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Je ferme cette parenthèse. Je continue. La caravane arrive en Égypte. Ils les vendent comme des esclaves, comme de bétail. Et là, il a été acheté par Potiphar. D'où commence notre histoire? Genèse chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Nous allons faire juste quelques analyses pour répondre un peu aux différentes questions que nous nous sommes posées au début de ces messages. Il arrive chez Potiphar. La Bible nous dit au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Parfois, je me dis souvent, on dit que la parole de Dieu est facile. Moi, je suis chez moi, chez mon père. Mes frères sont jaloux de moi. Ils me vendent, ils veulent d'abord me tuer. Ils me vendent comme esclave et j'arrive, débarque dans une maison. Et la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et il rajoute, et la prospérité l'accompagna. J'avais un peu du mal à croire ça. On m'a vendu comme esclave. Je suis entre guillemets domestique là.
Et on, la Bible dit que l'Éternel est avec moi. Ah, donc le mal peut m'arriver, mais l'Éternel est avec moi. Donc si je veux marcher, j'arrive à un moment donné, à un endroit, un malheur m'arrive. L'Éternel peut être avec moi. Et la Bible dit, la prospérité l'accompagna. Ok. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et même le païen voit que l'Éternel est avec toi. Ça, c'est le mystère de la croix, le mystère de l'amour de Dieu. Je suis vendu comme esclave, je suis domestique dans cette maison et vous me dites que l'Éternel est avec moi. Humainement parlant, je voudrais être bien, rouler une belle voiture, avoir, je ne sais pas moi, des avions, des belles maisons. Là, je dis que l'Éternel est avec moi. Malheureusement, c'est comme ça que nous conçoit la vie chrétienne. Le malheur peut arriver. Vous pouvez être malade. Vos membres de famille peuvent mourir de Covid. Vous pouvez perdre votre travail. Mais aussi longtemps que vous vous rappelez que vous êtes la justice de Dieu en Christ, la prospérité vous accompagnera. Donc, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et Joseph, donc tout ce qu'il faisait prospérait. Et au verset 4, la Bible nous dit également, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Le maître dit, tout ce que ce monsieur fait est magnifique. Tout ce qu'il fait va de l'avant. Il lui donne les clés de sa maison. Il lui donne les clés de son champ. Prends, dirige tout. Parce que l'Éternel est avec lui. Au verset 5, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Nous sommes en période de Covid. Il y a eu beaucoup de sociétés qui sont tombées en faillite. Peut-être si votre société n'est pas tombée en faillite parce que vous êtes là. Si ce pays marche, c'est parce que vous êtes là. Malgré tout le problème qui perturbe l'église, si cette église est là, parce que vous êtes là et vous êtes la justice de Dieu en Christ. C'est parce que Joseph était là que tout prospérait. Rappelez-vous, vendu comme esclave. Donc le maître, la Bible nous dit que le maître lui avait donné les clés de la maison, de ses champs, tout prospérait. Mais quand on regarde la deuxième partie du verset 6, les choses commencent à s'écorcer. Le maître ne s'occupait que de ce qu'il devait manger. Le reste, il avait donné les clés à Joseph. Deuxième partie du verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il nous parlait, Joseph, l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il faisait réussissait, la prospérité l'accompagnait. La Bible change directement, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quand tu nous parles de sa beauté, au verset 7,
On dit, après ces choses, tout ce qu'on a dit avant, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Je pense que parfois, je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, quand ma mère revenait par exemple de veiller et qu'elle venait trouver un problème, elle disait chaque fois, mais je viens de la prière, je viens de la veiller, mais c'est quoi ça encore hein? Tout ça, c'est Satan qui me tente. Elle n'est pas partie par quatre chemins. Elle n'a pas fait, oui, il t'amène des bananes plantées aujourd'hui. Demain, il a fait un gâteau au chocolat, il te l'amène. Le lendemain, il t'invite au fancifère des enfants. Viens, c'est bien, si tu as le temps. Demain, il t'invite au restaurant. Non! C'est direct. Et c'est la maîtresse de la maison. Là, nous, les chrétiens, on se demande, mais pourquoi le problème arrive? J'étais bien, Seigneur, mais pourquoi encore ces problèmes? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette tentation? En plus, c'est la maîtresse de la maison. On dit que le Seigneur était avec lui, mais normalement, ça ne devait pas arriver. Tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, on voit bien qu'il marche avec le Seigneur. Mais pourquoi ça? Ça, c'est notre vie de tous les jours. Pourquoi ça? Pourtant, je fais ceci avec mes enfants, ça, ça, ça. Mais pourquoi il est devenu comme ça? Il s'est écarté du droit chemin. En lisant, en connaissant cette histoire, je pense que ce problème est conçu par Dieu. Lui-même. Dieu a un plan pour nous. Il avait un plan pour Joseph. Et avec ses plans, Joseph ne coucha pas, hein, malgré toutes les tentatives de cette dame, jusqu'à ce qu'il ait été accusé par cette dame. La femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Donc ce matin, je veux vous dire que vous pouvez avoir de problèmes. Vous pouvez aller même jusqu'en prison. Mais aussi longtemps que vous êtes attaché à votre Dieu, aussi longtemps que vous marchez, vous dites, je suis la justice de Dieu en Christ. Vous êtes dans son plan. Et si ça ne sert à rien d'aller lier, si même on peut lier, je ne sais même pas, je ne pense même pas qu'on peut lier. Tu vas aller chasser. Est-ce qu'il pouvait chasser toujours? C'était le plan de Dieu pour sa vie. Il a résisté. Il s'est retrouvé en prison. Dieu, pour Dieu, c'était comme un tremplin. Nous le disons maintenant parce que nous connaissons l'histoire. Parce que humainement parlant, le tremplin, ça serait, je suis chez Potiphar, Joseph chez Potiphar, et puis il dit, ah, tu travailles bien, je vais te payer le cours du soir. Tu vas aller suivre tel cours, et puis par après, tu vas aller tel, je connais tel qui est ministre de tel, et puis tu vas monter, tu vas devenir directeur de cabinet là, et puis là, et puis là, pour arriver. Non. Le plan de Dieu, c'était, il devait résister. Fuir le péché. Je dis bien fuir. Hein? Pas résister contre le. Résister contre le malin. Mais fuir le péché. Il a fui. Rappelez-vous encore, il a fui cette dame. Et cette dame l'avait prise par ses habits. Et sa tunique est encore restée. Je dis, Joseph, avec ses tuniques, c'est quand même terrible. La femme a dit ça aux autres travailleurs. Et il a attendu son mari Potiphar pour lui dire, regarde la personne que vous avez amenée dans ma maison. Regarde ce qu'il voulait me faire. Et sa tunique l'a encore accusé.
Tout ça, je voudrais parler de la grâce. Quand nous sommes justice de Dieu en Christ, nous marchons sous la grâce de Dieu. Dieu a un plan pour nous. La prière, c'est parler à Dieu. Parfois, vous voyez, là, ça ne servait à rien. Il pouvait aller lier. Il ne pouvait même pas les lier. Les jeter aux lieux arides. Je ne connais même pas les lieux arides, c'est tout. Les jeter au feu de Golgotha qui brûle jusqu'à l'éternité. Rien. C'était le plan des dieux. C'est ça le tremplin des dieux. Mais ça, il faut marcher avec le Seigneur. Ça, c'est des choses qui ne s'obtiennent que par grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas un autre chemin. Quand vous regardez bien au verset 9 vers la fin, il dit, comment ferai-je un aussi grand mal? Il dit, je veux faire mal si j'accepte, entre guillemets, cette invitation de la femme de Potiphar. Je veux faire du mal à Potiphar. Et la deuxième partie, il dit, et pécherai-je contre Dieu? Je me suis dit, ah, j'ai entendu un truc comme ça déjà. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, 2 dimanches, nous avons vu l'histoire de David qui a pris Bathsheba et il a fait tuer son mari Uri. Vous vous rappelez? C'est le pasteur Ali qui nous a prêché. Et en relisant dans le psaume, il y a quand même une phrase qui m'a interpellé. C'est dans le psaume 51. Je vais lire vite. Psaume 51. La parole nous dit ceci. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé avec Bathsheba. Verset 3, psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est vrai que quand on pêche, on a une tristesse dans nos cœurs qui nous pousse à aller vers la repentance. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Là où j'allais insister, c'est ça, verset 6. J'ai péché contre toi seul. Ma sœur, mon frère, quand nous péchons, si vous ne savez plus venir à l'église, c'est simplement parce que vous avez honte. C'est tout à fait normal. Tout péché est un péché contre Dieu. Ah, je ne veux plus aller là-bas. Mais oui, ça c'est l'orgueil. Hein, moi, à mon niveau, je suis vraiment tombé là. Ah, non, je ne veux plus le voir. Je veux commencer à aller à prier là-bas. Oui, ça ce n'est que la honte, hein, c'est la chair. Aussi longtemps, verticalement, nous n'avons pas réglé les choses, c'est grave. Toute mauvaise chose, je reprends, toute mauvaise chose qui sont arrivées dans votre vie, comme nous voyons dans la vie de Joseph, c'est de la faveur de Dieu. Quand je dis grâce et faveur imméritée, c'est la faveur de Dieu. Ancien, je n'étais même pas là, je n'étais même pas ces jours-là au travail, mais moi accusé. Ma soeur, si vous marchez avec le Seigneur, ma réponse a changé. Je n'ai qu'une réponse. Je vous dis, c'est la faveur de Dieu sur vous. Mais on vous critique parce que vous êtes sous la faveur de Dieu. Il y aura des mensonges sur vous.
il y aura des mauvaises choses sur vous. Mais aussi longtemps que vous marchez avec le Seigneur, aussi longtemps que vous dites que moi je suis la justice de Dieu en Christ, vous n'allez pas aller lier, vous allez continuer à louer votre Dieu et à marcher avec lui. Mais si nous ne marchons pas avec le Seigneur, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, que vous avez la faveur de Dieu. Si du moins vous avez la faveur de Dieu, comme nous l'avons vu dans Galates, la seule chose qui va empêcher cela, c'est quand on commence à dire qu'on est juste par ses propres efforts. On piétine l'œuvre de la croix. Si nous voulons cette grâce dans notre famille, dans nos affaires, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, cette grâce ne règne que par les justes en Christ. Jésus est ma justice. Nous disons souvent, je ne sais plus faire. Je ne sais plus quoi faire de moi-même. Jésus est ma justice. Quand nous disons cela et que nous marchons avec le Seigneur, nous rentrons dans le repos du Seigneur. Je corrige encore une fois, le repos du Seigneur ne veut pas dire que je prends ma chaise, je m'assois, je ne fais rien. Non, le repos du Seigneur veut simplement dire que le travail que je vais faire est organisé. Je sais qu'après A, c'est B, après B, c'est C, après C, c'est D. Ce n'est pas que je suis à A, je commence à hésiter. C'est... Non, le repos du Seigneur, c'est que par sa grâce, tout est arrangé. Ça me faisait rire quand j'étais encore à Kinshasa. Ici, je le vois moins souvent. Quand les gens voulaient demander le visa, vous savez ce qu'ils faisaient avec leur passeport? Ils prenaient le passeport, ils les mettaient dans la Bible. Et la prière, c'était, Seigneur, quand je vais aller à l'ambassade, qu'on ne me pose pas de questions. Que j'arrive là, qu'on me donne des visas. Je lis tout esprit mauvais. Je les chasse. Mon frère, ma soeur, si vous allez à l'ambassade demander un visa, ils doivent quand même vous connaître, non? Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez habiter où? On est déjà paralysé. Parfois, on met des choses là où il ne faut pas mettre. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Seigneur, je voudrais aller telle part. Je veux aller demander un visa. Je fais mes démarches, je fais rentrer à l'ambassade. Je veux. Je suis la justice des dieux. Monsieur, vous ne pouvez pas aller parce que nous voyons que vous allez aller habiter là-bas. Si c'est le plan des dieux. Monsieur, vous pouvez aller. Voilà votre visa. Pan. Je le prends. Nous, si on ne nous donne pas, oh, c'est fini. C'est l'oncle, c'est la tante, c'est l'autre qui m'a mal parlé. Si vous êtes avec le Seigneur, c'est ça que je voulais transmettre ce matin. Si vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous êtes sous sa grâce. Continuez à marcher comme ça. Ça va arriver, le problème va arriver. N'est-ce pas, c'est dit dans la Bible? Vous aurez des tribulations. Les problèmes vont arriver, encore plus durs. Les gens vont dire, celle-là ne prie pas. Mais aussi longtemps que nous savons que nous marchons avec le Seigneur, aussi longtemps que nous examinons notre vie, toujours, tout ça va long. Je vais donner un dernier exemple avant de clôturer et de prier. Moi qui suis, je ne suis, je l'ai dit, je ne suis pas
pour ne pas dire, pour ne pas minimiser, je ne suis pas très fort avec les réseaux sociaux. Je suis presque nul. Depuis le confinement, on m'a inscrit sur Messenger. Je ne savais pas que rentrer sur Messenger, apparemment, ça veut dire que tu es sur Facebook. C'est l'ancien Eric qui m'a dit, mais toi, on t'envoie des messages sur Facebook, tu ne réponds pas. J'ai dit, mais je ne suis pas sur Facebook. Il m'a dit, non, mais comme tu es sur Messenger, tu es sur Facebook. Hein? D'accord. Je parcours et j'ai vu un message, il y a une dame qui parlait. Ça m'a interpellé. Comme je préparais ces messages, je me suis dit, je vais essayer de donner cet exemple aussi. C'était la même chose. J'ai l'argent dans ma poche. Ça ne fait que 30 euros. Si j'ai dit je vous le donne, vous allez accepter? Je le prends, cet argent. Je le plie. Je le mets dans ma poche. Ça reste 10 jours. Je vous le donne, vous allez l'accepter? Si je prends cet argent, je le mets par terre, je le piétine. Je vous le donne. Vous allez l'accepter? Si je prends ce même argent, je demande à cette personne-là qui a le COVID. Il crache dessus. Vous allez toujours l'accepter. Mais dites-moi pourquoi en fait. Quel que soit le problème qui peut vous arriver, aussi longtemps que vous êtes la justice des dieux en Christ, vous ne perdez pas de valeur. Je suis content que vous avez répondu la valeur, parce que c'est ça que j'allais donner comme titre à mon message. J'ai dit la valeur, notre valeur aux yeux de Dieu. Vous ne perdez pas de valeur. Les problèmes vont arriver. Vous allez tomber, on va vous mettre en prison, on va vous accuser de problèmes terribles. Parce que j'essaie d'imaginer Joseph, hey, Seigneur. Déjà si vous me mettez en prison, c'est fini. Comment je vais marcher encore sur cette terre? Vous mettez en prison en Belgique, vraiment je change. Demain je vais vivre à Paris. J'aurai honte, je veux fuir. Même si tu sais que tu n'as rien fait, parfois c'est rien que le regard de gens. Vous ne savez pas résister. Si nous voulons que cette grâce soit sur nous, faisons de Jésus notre justice. Nous devons apprendre à les connaître. Nous disons, je ne sais plus rien faire. C'est Jésus qui est en moi. Et on devient juste après la conversion. S'il y a des gens parmi nous ou des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas encore convertis, qui disent, mais ces messieurs-là sont en train de dire des choses bizarres, de Jésus, ou de qui. Prenez contact avec nous. Prenez contact avec les hommes de Dieu autour de vous. La justice de Dieu est un don. Nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Faire de Jésus le but de notre cœur, c'est concentrer sur Jésus. C'est consacré sur sa parole. Il y a parfois des choses que je faisais longtemps. Quand je suis fâché, je dis non, je ne veux pas prier. Pas je suis fâché, je vais attendre que la colère descende. C'est terminé ça, c'est terminé, terminé. Je dis, oh mon Dieu, c'est terminé. Quand je suis fâché, je sais que c'est un père aimant. Je viens, père, je suis en colère. Je suis vraiment fâché. Je demande de me pardonner au nom de Jésus. Regardez vos enfants, vous qui avez la grâce d'avoir des enfants. Même si vous le punissez maintenant, il revient quelques heures plus tard, comme si c'est rien passé. Mais fais ça à un adulte, tu vas voir.
On va se comporter comme des enfants. Ces derniers temps, j'ai des doutes, je ne sais pas prier. Seigneur, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Simplement, c'est notre Père. Nous, nous aimons aller venir. Seigneur, non, c'est ton papa. Et n'oubliez pas, nous risquons de rater cette grâce quand nous voulons nous justifier par la loi, quand nous voulons nous justifier par nos propres efforts. Et je terminerai ce message par le verset que la plupart des chrétiens aiment bien, c'est dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été avec l'église messager. Nos programmes, comme vous le connaissez, c'est tout le lundi des 18 à 20 avec notre équipe d'intercession. Le mercredi des 18 à 20 avec nos sœurs. Le jeudi des 18 à 19h30, c'est la soirée d'enseignement. Et le dimanche des 10h30 à midi. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et après la prière, nous allons nous séparer avec nos frères et sœurs qui nous suivent par les réseaux sociaux. Et nous ici, nous allons continuer. Prions. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous élevons ton saint et grand nom parce que tu y es un papa. Éternel grand Dieu, alors que nous ne nous occupons pas de tes affaires, tu nous as aimés. Tu as envoyé ton fils unique. Ton fils unique a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix de Golgotha pour nous. Où il s'est fait pécher pour que nous, nous soyons fait justice en lui. Il a porté tous nos malheurs, toutes nos faiblesses, toutes nos souffrances. Merci, ô Seigneur, de nous rappeler que nous sommes la justice des dieux en Christ. Merci, Père, pour ces dimanches. Merci pour nos frères et sœurs qui ont écouté ces messages. Éternel grand Dieu, merci de nous garder. Parce que tu es un Père et ton amour pour nous, c'est un amour incomparable, inégalable, infaillible, Père. Père, pour nos sœurs, pour nos frères qui sont malades, Papa, toi, le Dieu Tout-Puissant, étends ta main pour les guérir. Père, que toute personne qui a entendu ces messages, ô Éternel, puisse se remettre en question et dire que je veux marcher avec ce Christ. Je veux me concentrer sur Jésus-Christ. Je vais fixer mes yeux sur Jésus-Christ afin de pouvoir marcher sous ta grâce. Éternel, nous souhaitons une bonne semaine à toute personne qui nous a suivis, ici sur place et dans les réseaux sociaux. Étends ta main, ô Seigneur, daigne bénir les différentes maisons qui nous ont accueillis encore ce matin. Étends ta main, ô Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur qui est en ces lieux, qui a des problèmes et qui ne sait pas comment trouver la solution. Mais je sais quelle est ta justice. En Jésus-Christ. Père, j'abandonne ton église entre tes saintes mains. J'abandonne les responsables entre tes saintes mains. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Que toute la gloire soit pour toi, ô Père, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen.